8 février 1990. Île de Java, Indonésie. Le volcan Kelud, après 20 ans de silence, explose brutalement. Plusieurs milliards de tonnes de roches sont propulsées hors du cratère, ravageant tout sur des dizaines de kilomètres. Le paysage est complètement modifié. Des pans entiers du volcan ont disparu. Le lac du cratère s'est volatilisé et d'énormes coulées de lave ont recouvert villages et rizières. Ce cataclysme aurait dû faire plusieurs milliers de morts. Il fera 37 victimes. Les 10 jours précédant l'éruption, là on a la montée de la température qui était partie de 30 degrés et qui atteint maintenant presque 40 degrés. Et c'est ce qui nous a fait signaler l'imminence de l'éruption vers le 9. On a téléphoné le 9 février pour dire qu'à notre avis c'était tout à fait imminent. L'équipe de Michel Alvax, responsable du laboratoire d'instrumentation géophysique de Chambéry, était la seule à avoir prévu cette éruption. Elle a mis en place un réseau de stations d'alerte fonctionnant par transmission satellite. Dès 1988, une de ces stations à liaison Argos avait été installée sur le lac de cratère du volcan. Bon, on a du mal à se représenter en fait comment c'était. Hein. Tout le fond là, pratiquement la moitié du cratère était occupé par le lac. Au fond, de ce côté-là, il y avait des bois. On a même trouvé des cerfs là-bas. Et puis en face, c'était une plage couverte de... Bon, il y avait des fumerolles. Par contre, ce qui a vraiment changé, c'est que le fond du cratère actuellement est vraiment beaucoup plus profond que le lac. À mon avis, au moins 50 à 100 mètres de plus en profondeur. La station du Kelud a émis sans interruption pendant 20 mois jusqu'à une heure avant l'éruption. Les paramètres les plus significatifs de l'activité du volcan étant disponibles directement sur Minitel au laboratoire de l'Université de Savoie. L'observation de signes alarmants permit de prévenir à temps les autorités indonésiennes. 60 000 personnes ont été évacuées 2 heures avant le cataclysme. À l'époque de l'équipement du Kelud, Michel Alvax avait testé un autre moyen de surveillance. Une technique peu onéreuse, adaptée aux moyens du pays, la surveillance aérienne des cratères en ULM. L'archipel indonésien compte plusieurs milliers d'îles. Certaines d'entre elles, comme Java, Bali et les petites îles de la Sonde, sont situées le long de la ceinture de feu du Pacifique. C'est la plus importante zone volcanique du monde. Il y a environ 400 volcans, dont 135 en activité permanente. La plupart des 180 millions d'Indonésiens vivent sur des bombes à retardement. En effet, entre deux éruptions, un peuplement anarchique s'établit sur les pentes fertiles des volcans. Cette richesse des sols est à l'origine de bien des catastrophes. En 1983, le Krakatoa, mondialement célèbre, fit 36 000 victimes. Plus meurtrière encore, l'explosion du Tambora en 1815 aurait fait 92 000 morts. Pratiquement inaccessibles à près de 4 000 mètres d'altitude, ces volcans ne sont pas équipés d'observatoires complets. L'idée de survoler les cratères afin d'y déceler une reprise d'activité permettrait de sauver bien des vies humaines. L'utilisation de l'avion est rendue impossible par la trop faible infrastructure indonésienne. L'hélicoptère, engin idéal, possède un coût d'utilisation trop élevé pour ce type de mission. Alors, Michel Alvax a pensé à l'ULM comme moyen d'investigation. Pour démontrer la faisabilité de son projet, il a mis en place un programme d'études portant sur 6 volcans. Rinjani, Tambora, Raung, Kawaijen, Bromo, Semeru. Volcan Raung, est de Java.
Une expédition d'essai avait été organisée en 1988. Elle portait principalement sur le réglage des moteurs afin d'atteindre des altitudes dépassant 4000 mètres. L'achat d'engins très puissants de 65 chevaux avait donné satisfaction. Maintenant, il restait à tester les décollages et les atterrissages sur les terrains de fortune souvent situés entre 1500 et 2000 mètres. À ces altitudes, Roland Magallon et Michel Lahaye, les deux pilotes professionnels, auront à se poser à près de 80 km à l'heure entre les bombes de lave refroidies. Bon, allez, on va installer le parachute. Oui, tu vois, si on a une panne moteur comme ça, dès le poser des roues, à ce moment-là, ben, je pourrais tirer le parachute. On s'arrêtera dans un mouchoir de poche. Alors, Raoum, je crois que parmi les vols que j'ai faits sur ces volcans, c'est vraiment le plus extraordinaire. Lorsqu'on arrive au bord de la crête, on a une impression de vide terrible. C'est bon, la goupille ? C'est bon, c'est bon. Et alors après, bon, avec la poussière... Voilà, ouais, telle qu'est la direction du vent en ce moment, moi, je pense que tu peux partir de Jumpit, voler directement vers le sud du volcan, puisque la fumée est rabattue vers le nord. Et à mon avis, si tu es assez haut, tu dois pouvoir avoir une vue plongeante sur le fond du cratère. Oui, mais alors il y a une chose qui m'inquiète, Michel, c'est que de temps en temps, il y a des grosses explosions là-haut. Et je me demande vraiment ce qui va se passer au moment où je vais passer à côté. Il faut faire attention au problème des explosions, hein, parce qu'il y a 2 ans, c'était régulier. Hein, ça ne sortait pas comme c'est panache comme ça. Hein. Radio Buster en route pour voir les problèmes de parasites. Alors comment tu me reçois? Bon, pour l'instant, je te reçois 5 sur 5. Qu'est-ce que tu en penses si on mettait le moteur à un régime plus élevé? Parce que j'ai l'impression que les parasites sont plus forts. Quand on Infatigable, le Raoum émet toutes les 20 minutes un nuage de poussière de plusieurs milliers de mètres de haut. Son énorme cratère de plus d'un kilomètre de diamètre est défendu par des parois abruptes de 400 mètres de profondeur. Ce monstre de 3300 mètres a explosé en 1914, épargnant miraculeusement le village de Jumpit, lieu choisi par l'expédition pour son terrain relativement plat. So, Pa Wilhelm, yeah. You will fly over Gunung Raung. Yeah. And now Gunung Raung is in eruption. Yeah, yeah. So you have, maybe you will see inside of the caldera. Mm-hmm. Okay. Okay, is your helmet good? Yeah. You feel good in your helmet? Okay. Okay, so yeah. you go on this seat, uh-huh. You put your feet there. Sure. Oh. Okay. I think so. The belt, of course, in case of turbulence in the sky. Après une première satisfaisante ayant permis de s'approcher des lèvres du cratère, Wilhelm, ingénieur indonésien représentant le Volcanological Survey of Indonesia, est pressenti par Michel Alvax pour faire un essai réel de survol du volcan. Les volcanologues indonésiens prêtent une oreille très attentive à ce projet. L'ULM ne fait pas partie de la panoplie habituelle des outils d'études volcanologiques, et comme toute innovation dans une discipline, son utilisation apparaît trop exotique pour être proposée à un financement officiel. Il appartient donc à l'équipe française de prouver que le projet est viable. Ah.
Ah, le cheval de bois. Après cet atterrissage de fortune, il paraît nécessaire de donner à la piste une perfection qu'elle n'a pas encore atteinte. Cependant, Willem trouve la démonstration intéressante et envisage l'achat d'une machine. Maybe they can buy for you. Maybe to make regular surveillance. Expensive, maybe, but not too expensive. Yeah. It's about, I don't know, 20 million juta. 20 million rupia. So, not too expensive, not like a helicopter. Intrigués au début par ces évolutions pour le moins inhabituelles, les jeunes élèves du village voisin finissent par s'intéresser de très près aux appareils. Les volontaires pour un baptême de l'air devenant de plus en plus nombreux, il faut faire un choix parmi les candidats. Adi, 8 ans, 30 kilos, va devenir le héros incontesté de toute la région. Passé l'enthousiasme du moment, chacun se pose des questions sur l'opportunité d'avoir envoyé le jeune garçon faire le tour de la Lune. La comparaison ici n'est pas trop forte. La relève indonésienne semblant assurée, il faut maintenant effectuer la mission photographique sur ce premier volcan. Roland Magallon, un des pionniers de l'ULM en France, se charge de Christian, le caméraman, tandis que Michel Lahaye va convoyer le photographe. Grâce à sa maniabilité et à sa faible vitesse, l'ultra-léger motorisé semble être un outil incomparable
pour l'observation visuelle et photographique de l'activité volcanique. Son travail ne devrait cependant pas s'arrêter là. Capteurs chimiques et magnétiques, radiomètres infrarouges seront les futurs passagers des ULM dans les panaches de fumée. Soudain, à 4000 mètres d'altitude, le moteur de l'ULM est brutalement secoué. L'hélice a explosé. Il faudra tout le métier de Roland pour maintenir la machine dans un angoissant survol d'une vingtaine de kilomètres de jarre. C'est de justesse que l'appareil atteint le terrain de Jump Pit. Il a fallu profiter de toutes les pompes aérologiques qui se présentaient. Tu vois pas, là, on a cassé l'hélice. Ouais, je bien. Les deux carburateurs sont partis. On a eu un bol, puis regarde, tu vois, ça a éclaté. Il y a des bouts de l'hélice qui sont passés dans la voile. Oh putain, on s'est fait la trouille de notre vie, là. Et comment t'as fait? C'est le pot d'échappement qui t'est tiré dans l'hélice? Bah, tu vois bien, il... Ah bah ouais, il n'y a plus le pot d'échappement, dis donc. Bah, c'est ça. Il s'est tiré dans l'hélice? Il s'est tiré dans l'hélice, voilà. Bah, tu vois, heureusement qu'on a une hélice de rechange. Mais c'est vraiment un moindre mal, tu sais, je vais te dire, parce que quand le moteur s'est arrêté, hein, et c'est un coup de bol que le moteur soit arrêté. Parce que si c'était pas arrêté, bah, à mon avis, on aurait eu plus de dégâts que ça, tu vois. Ah, bah dis donc, hein. Vous voyez, droit, hein. Eh bien, mon vieux, je vais être sacré chevalier des rescapés de l'ULM. Mais quel honneur. Cher maître, c'est trop d'honneur. C'est trop d'honneur. Incompréhensible. Comment le pot d'échappement est-il parvenu à se desserrer complètement pour aller percuter l'hélice? Les regards se portent avec une nuance de soupçon sur le volcan qui paraît soudain plus inquiétant. À une vingtaine de kilomètres du Raoum se situe le second volcan sélectionné par les volcanologues, le Kawaijen. Pour s'y rendre, le décollage se fait à partir de la même caldeira antique que le Raoum. Ces caldeiras, typiques en Indonésie, sont d'anciens volcans qui se sont effondrés. Leur diamètre atteint parfois plusieurs dizaines de kilomètres. À l'intérieur naissent d'autres volcans. C'est le cas entre autres du Raoum et du Kawaijen. Ce dernier n'a pas été choisi par hasard. Son lac de cratère à la teinte turquoise est un leurre mortel. C'est de l'acide sulfurique. Sa température de surface très élevée devrait engendrer de fortes turbulences, un test supplémentaire pour les ULM. Depuis sa dernière éruption il y a 40 ans, le Kawaijen est le siège d'une dangereuse activité. Au milieu des jets de vapeur sulfurique, des hommes viennent arracher au volcan des blocs de soufre pur dont la pharmacopée occidentale a un besoin toujours croissant. Ces damnés volontaires, par nécessité économique, grillent leur existence prématurément. Pour 25 francs par jour, une fortune en Indonésie,
il casse 80 kilos de soufre qu'il remonte d'une seule traite au sommet du volcan. Nul camion ne pouvant accéder à ce chaos, ils portent leur charge jusqu'au village à 5 heures de marche de là. Ils toussent, crachent, pleurent, ne possédant comme seule protection contre les vapeurs irritantes qu'un mouchoir serré entre les dents. La chaleur est insupportable. Et le lac aux reflets bleus ne leur promet aucun rafraîchissement. Ces hommes vivent dans un petit morceau d'enfer. À 20 ans, ils sont riches. À 30, ils sont morts. Mais aucun d'entre eux ne voudrait donner sa place. On raconte que l'explosion du Tambora fut l'effet de l'action des hommes. Le cheikh, qui était venu pour islamiser l'île de Sumbawa, fut invité à un festin. Son hôte lui fit manger du chien, animal impur pour les musulmans. Le cheikh demanda à Allah de punir ces hommes qu'il avait injuriés à travers lui. Alors, le feu jaillit de la montagne, inondant toute la plaine, poursuivant les hommes jusqu'à la mer, n'épargnant que le cheikh Abdul Ghari et ses fidèles disciples. Lalu, saya itu diutus oleh Raja Makkah atau Imam Makkah. La plaisanterie du chien fit donc 92 000 morts en 1815. Ce fut la plus grande catastrophe volcanique de notre ère. Le Tambora envoya 30 km cubes de matière dans les airs. La puissance de l'explosion fut évaluée à plusieurs centaines de milliers de bombes atomiques de type Hiroshima. Le bruit fut entendu à plus de 5000 km et la vague engendrée atteignit 60 mètres de haut. C'est ce volcan que l'équipe au sol a décidé d'explorer afin de préparer au fond de son cratère une piste d'atterrissage pour les ULM. L'ascension va se révéler plus longue que prévu. Rapidement, des problèmes d'eau vont se faire sentir. Cette jungle est bizarrement sèche. Bagus. Nah, dingin. Tidak bagus. Saya suka main di pohon di bawah. Di bawah. Ya, di bawah. Lebih bagus. Lebih bagus. Ya. Oke. À Doropeti, au pied du volcan, les ULM sont révisés pour tenter l'atterrissage au fond du cratère. La réussite n'est pas évidente. 35 km de jungle à survoler pour monter à 3000 mètres.
puis descendre en tournoyant dans l'immense cratère de 1200 mètres de profondeur. Des vols progressifs sont nécessaires pour tester la bonne volonté des moteurs. Un crash, là où les arbres font 60 mètres de hauteur, ne pardonnerait pas. Tu sais qu'il y en a depuis le début, j'en ai partout. Hein. La forêt, ici, est la plus dense d'Indonésie, la plus vivante aussi. Après 2 jours de marche, le sommet n'a toujours pas daigné se montrer. Les moteurs des ULM vrombissent parfois loin au-dessus de la cime des arbres. Un premier contact radio est tenté. Bon, c'est... toi, t'as rien. Non, mais ce que je comprends pas, c'est qu'il... Bah là, on est en écoute, normalement. Bon, 3h30, on devrait avoir ça, là, quand même. Ce qui m'étonne, c'est que ça soit si peu puissant. Je me demande s'il n'y a pas un problème d'alimentation. Si c'est du 9 volts au lieu de 13 volts, on n'aura pas assez de puissance. Et qu'est-ce qu'on leur dit, alors? Équipe à pied, ULM, à vous. Moi, je vais essayer avec le poste. Alors, au Tombora, aux ULM, est-ce que vous m'entendez? À vous. Simplement, j'ai oublié si c'est 146-78 ou 145-67. Du Tombora aux ULM, est-ce que vous m'entendez? À vous. Les enfants, on va avoir des problèmes de radio. Troisième jour de marche. 15 litres d'eau vont être abandonnés pour le retour. Dorénavant, chacun vit sur ses réserves. Il faudra atteindre le bord du volcan, puis descendre au fond du cratère avec moins d'un litre par personne. Le sommet n'a toujours pas émergé. Enfin, il y a 2 ans, on en a bu. Franchement, c'était potable. Hein. Ça n'a pas bon goût. Le guide ne connaît que 2 arbres à eau dans cette forêt. 3 à 4 litres au goût amer à se partager sur place. Michel Otambora, j'appelle Salopetti. Est-ce que vous me recevez? À vous. Enfin, le sommet. Tous les problèmes semblent momentanément oubliés. 3 heures de marche sont encore nécessaires, mais à l'arrivée, quel spectacle. Le Tambora possède des dimensions fantastiques. Le diamètre du cratère dépasse 6 kilomètres. Des parois, a priori verticales, semblent en défendre l'accès 1200 mètres plus bas. Cette vision démoralise immédiatement certains porteurs qui demandent à être payés de suite afin de repartir chez eux. Ça fait donc 4 jours. They go up 3 days and then 1 day to go down and then 7500 for food. Okay. That's right? Yeah, exactly. Donc ça fait 5 jours, 3, 3, non 4 jours. 6 fois 4, c'est 24 jours. 24 jours à 75 000 jours. 37,500. 5 times 7,500. 4 days. 5. Why? Because 3 days up. And 2 and 1 day down. And also 7,500 is for food. Ah, ok. Yeah. 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, and 10. Okay, that's good, no problem. Malgré l'heure tardive, la majeure partie de l'équipe décide d'entreprendre la descente vers le fond de la caldeira. Elle va mettre 5 heures. Michel ou Roland, je suis sur le 123, c'est Alain, vous m'entendez? Tu m'entends là, toi? Moi, je te reçois, oui. Le petit groupe resté au sommet finit par joindre Doropetti par radio. Fractionnée en 3 parties avec de gros problèmes logistiques, l'expédition va essayer malgré tout de mener à bien la tentative d'atterrissage au fond du cratère. Prévenus de la situation difficile qui sévit au Tambora, les pilotes des ULM décident de se lancer dans une mission de ravitaillement en eau et en nourriture. Après 45 minutes de survol, la patrouille de secours arrive au-dessus du volcan. Les ULM cherchent à repérer une tente montée au beau milieu du paysage chaotique formant les abords du cratère. Sa circonférence étant d'une 20aine de kilomètres, la chose se montre peu aisée. De plus, l'aérologie du Tambora ne permet guère de survoler les lieux à basse altitude. De formidables turbulences d'air chaud interdisent toute tentative trop précise. Après une rapide reconnaissance de la cible, l'un des ULM largue un premier jerrycan. Trop haut. Puis un deuxième. No water. And there is other thing. Oh. Putain, il a éclaté. Tu parles, il l'a acheté trop. Il a éclaté. Complètement éclaté. Donc, il n'y a rien d'autre. Merde, merde, merde. Il n'y a pas de... Il n'y a plus rien du tout. Il y a du riz. Il y aura toujours de quoi bouffer. C'est déjà ça. Ça sent bon. Pour tout le monde, à midi. Et celui-là. Et puis celui-là. Écoute, au poids, c'est bon. Au poids, il y a au moins 5 litres d'eau. Oh, putain, on ne peut vraiment rien en tirer dessus. Peut-être qu'en pressant, peut-être arriver à trouver de l'eau. Mais ouais, ça vous tente pas? Un deuxième essai se révèle encore plus catastrophique. Qu'est-ce qui t'est arrivé alors? Ben écoute, le bidon s'en va comme ça en arrière, tu vois. En plus, Michel a eu des problèmes avec ses courroies qui patinaient encore. Alors en fait, on a décidé de redescendre parce que ça valait beaucoup mieux, quoi, c'est tout. Ok, je te reçois 5 sur 5, pas de problème. Tu as vu ce qui s'est passé pour Roland? Il s'est fait brasser comme un malade dans les rouleaux en vous larguant le truc à toi. Et malheureusement, l'eau a éclaté. Hein. Par contre, ce que vous avez lancé, vous, c'est-à-dire le riz et l'eau, nous est arrivé intact. C'est-à-dire qu'on a 5 litres d'eau et de quoi manger à midi et ce soir. Nous, quand on est arrivé au sommet du cratère, on a vu le fond, on était encore très haut et les courroies se sont mises à patiner comme des malades, puisqu'on qu'on n'avait plus aucune puissance moteur. Donc on est reparti aussi sec. Ok, je coupe. Salut. Le problème de la survie au sommet étant momentanément résolu, les ULM tentent de forcer à nouveau les barrières aérologiques du volcan. Le simple survol frisant l'exploit, la descente dans le chaudron turbulent ne semble pas raisonnable. Alors finalement, qu'est-ce qu'on va leur mettre comme message? Non mais on ne peut se poser, remonter. Good luck.
La radio ne fonctionne pas à l'intérieur du cratère. Un ULM est chargé de livrer le courrier. Il devra monter très au-dessus de la caldeira pour lancer sans trop de risque son bref message à l'équipe du fond qui ignore tout des problèmes rencontrés 1200 mètres plus haut. Roland avait bien dit qu'il ne voulait pas qu'il y ait qu'un seul ULM qui atterrisse. Ça, il voulait absolument que les deux puissent, l'un puisse, disons, superviser l'autre. Non, mais je pense qu'effectivement, ce matin, les conditions étaient bonnes. Hein. Il pouvait facilement atterrir. Hein. Maintenant, c'est trop tard, là. Maintenant, ça commence à faire chaud, ça doit turbuler à fond, là-dedans. Hein, je pense que maintenant, de toute façon, on a plus... les porteurs n'ont plus de nourriture, ils en ont marre. Je crois que le mieux, c'est quand même de redescendre. Hein. Là, ils vont baver. Hein, Hein. Il y a quand même les 1200 mètres. Ils sont fatigués. C'est facilement 6 heures, à mon avis. 6 heures pour monter. Là-haut, ils n'ont pas d'eau. Donc, ils doivent redescendre au point d'eau. Il y a un point d'eau encore à 3 heures de marche, facilement. Ça leur fait 4 heures de marche. 4 heures de marche, ils peuvent arriver vers 7 heures du soir. Quoi. Il faut être à la nuit au point d'eau, hein, le point d'eau numéro 2. Là. Le point d'eau numéro 2 ne sera atteint que 26 heures plus tard. Les dieux ont tout fait pour décourager l'expédition au Tambora. En Indonésie, il faut leur faire des offrandes pour obtenir la réussite d'une entreprise. Ce détail avait été négligé. C'est avec la bénédiction du chaman local, qui est au mieux avec les puissances supérieures, que les ULM entreprennent le survol du Bromo, le volcan sacré des Javanais. Curieux volcan qui surgit d'une mer de sable emplissant une gigantesque caldeira de 10 km de diamètre. Ce paysage lunaire se situe à 2200 mètres d'altitude. Son accessibilité en fait un site de prédilection pour le décollage. Il y a 10 ans, le Bromo arrosait toute cette zone de bombes en fusion de plus d'un mètre cube. Le chaman Sojai mène chaque année le jour du Kasada une procession jusqu'en haut du volcan Bromo. Les pèlerins se préparent dès le coucher du soleil. Les offrandes sont installées sur des bambous et lorsque la lune apparaît, une longue file humaine s'achemine vers le sommet à la lueur des torches. À minuit, poulets et buffles sont précipités dans le cratère. Mengambil kata dari teng dan ger. Namun Sang Hyang Widi tidak kesamaran. Metusah Gunung Bromo ke tempat anak-anak bermain. Lenyaplah si bungsu namanya Raden Kusuma dibawa api ke Gunung Bromo. Dans notre religion, le Bromo n'est pas considéré comme une divinité. Les cérémonies, les sacrifices d'animaux sont un hommage rendu à un prince dont le corps fut jadis enseveli sous le volcan.
Que des savants prennent l'initiative de surveiller le volcan, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais les petits hélicoptères n'y feront rien. Le volcan explosera le jour où le Tout-Puissant l'aura décidé, et c'est bien ainsi. Moi, je suis assez content qu'on aille au Semeru, parce que en ce moment, il est vraiment dans une activité tout à fait inhabituelle. Normalement, son activité, c'est des explosions. Tu te rappelles les explosions d'il y a deux ans, là. Vraiment, des explosions qui montent à 1000, 2000 mètres au-dessus du volcan. Et puis là, depuis deux mois, ben, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, et ça, les gens du VSI, ils ne savent pas du tout ce qui se passe en ce moment. Et c'est ça, moi, je suis assez content, ça montre un peu l'intérêt du survol en ULM, parce que s'il y a un déplacement du centre d'activité, ou je ne sais pas, moi, du soufre qui est apparu, tout ça, c'est des indications pour une reprise d'activité. Et en plus, comme c'est un volcan qui est quand même extrêmement dangereux, s'il s'arrête, c'est qu'il y a une remontée en pression, et qu'il peut y avoir peut-être une grosse éruption à la fin. Planté au bord de la grande caldeira du Bromo, le Semeru n'est peut-être pas aussi sympathique que son voisin. 3700 mètres de fureur continuelle en temps normal. À ce stade des essais, une simple reconnaissance suffira. Au sol, c'est toujours l'attente teintée d'un peu d'inquiétude. Le souvenir de l'hélice cassée au-dessus du Raoum hante encore les esprits. Mais le chaman du Tengger veille. Effectivement, le sable, c'est pas un cadeau. Eh bien, mes enfants, le Semeru, il fait froid. Hein. 3700 mètres, on devait bien être à combien, 200, 300 mètres au-dessus. Oui, c'est ça, oui, puisqu'on voyait le petit cratère. Donc 4000, eh bien, dis donc. Alors, effectivement, aucune activité. Hein. De la fumée, seulement un peu de fumée. Ah, ça fait marrant, d'ailleurs, hein, parce qu'on est tellement habitué à le voir avec son... Avec son champignon, là, ouais. On le reconnaît à peine, le Semeru. Java avait d'autres grands volcans à proposer. Merapi, Tsamet, Lawu. Mais ils n'apportaient pas de dimensions supérieures à ceux déjà survolés. Cependant, cette expédition ne pouvait quitter l'Indonésie sans ajouter le Rinjani, à son palmarès. Bien, je me méfie toujours des vents légers parce qu'ils sont variables, tu vois. Alors, il peut être léger, puis d'un seul coup, il prend un tout petit peu. Et puis là, c'est le moment où. Bonjour. Attends, tu pourrais-tu me prendre une seconde ? J'ai exploré les endroits pour décoller et en fait, c'est vachement pas facile, tu vois. Michel. Je crois qu'il va falloir décoller de la route. La seule possibilité, c'est ce bout de piste-là qu'on prend avec les voitures. Ouais. Et après, il faut tourner par là, parce que tu seras face au vent. Si tu tournes par là, tu es vent arrière. Donc, tu vas dégueuler à fond. Tu vois, quand tu vas tourner comme ça. Ouais. Tu vois, tu vas dégueuler à fond. Alors que si tu tournes comme ça, tu montes. Mais ici, tu vas être dans les rouleaux de cette colline-là, où, tu vois, ça va être merdique. Et moi, je crois que la route est pas mal. On a été la voir avec Patrick, c'est bien. C'est pas nécessaire. Tu vois, on va pas voir le lac ? Mais le lac, on le voit à partir du col, regarde ça. Je vais te montrer un petit peu le flanc de col. T'as le Rinjani ici, tu as le col ici, là, tu vois. On va passer à peu près à ce niveau-là, enfin beaucoup plus haut. Et de là, c'est juste derrière. Mais en fait, je regarde, il y a plein d'endroits qui ont l'air super beaux, là, avec des espèces de rocailles rouges. Bon, mais en tout cas, je promets rien. Ah ouais. Si jamais il y a un problème, on peut ressortir par les chancrures du lac, et ce qui fait qu'on pourra revenir ici éventuellement. Bon, bah moi je suis pas très bien. Le...
Bon, bah, écoute, on va se brancher. Hein. Ça va mieux, là ? Bon. Le Rinjani, sur l'île sœur de Bali, à Lombok, est le plus haut sommet des îles de la Sonde, 3720 mètres. Ses dernières facéties datent d'une vingtaine d'années. Les pluies diluviennes dans cette zone équatoriale ont rempli le fond de son immense cratère, un lac y est né. La réussite du survol du Segara Arak, le splendide lac de cratère du Rinjani, est non seulement une récompense de tous les efforts, mais aussi la preuve que le projet scientifique n'est pas une utopie. Seules les techniques d'atterrissage restent à améliorer. C'était très utile de te voir passer le premier à l'atterrissage quand même. Oui. Hein. t'as rebondi comme ça aussi ? Ah ouais, c'est... Ah ouais. Et puis j'ai même fait 2-3 zigzags sérieux, alors j'ai remis les gaz quoi. Ah, c'est ça. Parce que j'ai vu que je pourrais pas m'arrêter avec la vitesse, tu vois. En parce plus, que... c'est la vitesse de la descente. Ouais, c'est ça. Non, c'est la vitesse de la descente, puis la vitesse de... qui te donne la pente. Un peu plus vite. Alors. Ouais, bah oui, mais je l'ai fait exprès parce que je me disais que vous étiez beaucoup plus chargé quand même. Mais heureusement que tu as une suspension, mon vieux. Parce que là, la théo, c'était sert, la gazelle. On a rebondi combien, au moins d'un mètre. Deux, trois mètres. Un bon mètre, hein. Ouais. Au moment de la théo, j'ai vu le sage, j'ai dit bon, levons les jambes. On sait jamais. Moi, j'avais sorti le parachute. Et tu sais qu'il avait sorti la police du parachute. Depuis toujours, les gens craignent les mauvais esprits de la montagne de feu. Ils peuvent causer la mort de ceux qui leur manquent de respect. Les voyageurs ont touché les forges du volcan, c'est bien. Mais le bruit de leur machine leur permettra-t-il d'entendre la berceuse de la fille du roi des oiseaux ?